Tu travailles pas pour générer 1 million, tu travailles pour que tes investissements te rapportent 1 million. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche, à mettre un j'aime parce que c'est satisfait ou remboursé. Ça, je sais que tu aimes bien cette expression. C'est satisfait ou remboursé. Donc du coup, si jamais tu n'aimes pas la vidéo, tu retires le j'aime à la fin. Donc déjà, tu peux déjà le mettre en avance. Ici, c'est Jonathan Hatchi. Si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée de cette chaîne, c'est quoi? C'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure. Et pour ça, les gars, il faut de l'oseille. À un moment donné, on ne peut pas faire métro boulot dodo toute sa life. Enfin, j'espère que ce n'est pas le projet que tu as pour toi. Après, tu fais ce que tu veux si tu es heureux comme ça. Mais pour tous les autres, les gars, qui en ont marre, là, qui veulent peut-être avoir une vie un peu plus libre, voyager où on veut, comme on veut. Les gars, j'étais comme vous, les gars. J'ai pas de truc de différent. Hein. C'est pour ça que je répète tous les jours, oui, j'ai redonné mon BEP. J'ai grandi à Évry dans 91 dans le quartier des Pyramides. C'est pour vous rappeler, les gars, je suis comme vous. Ok, enfin, je veux dire, j'ai pas de truc différent. J'avais un taf normal, machin. À un moment donné, j'ai vu une vidéo d'un gars qui disait oh, moi je voyage, tout ça, j'ai business en ligne. J'ai dit quoi? Comment ça, tu voyages et moi je me lève là tous les matins, je suis fatigué, tout ça. Et toi, tu voyages, c'est comment? J'ai dit tout ce que tu fais, moi aussi je vais faire. Bref, donc du coup, il y a deux choses que je te propose. Déjà, pour commencer, parce que tu viens d'arriver, tu dis « Ouais, mais attends, est-ce que c'est possible hein ?» Donc, calme-toi. Donc, deux choses que je te propose, c'est que tu peux accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. Donc, ça te paraît ouf, mais à un moment donné, les gars, les résultats que les gens ont dans leur vie que toi, tu n'as pas, c'est parce qu'ils savent des choses que tu ne sais pas. Donc, bref, c'est offert, c'est gratuit, je ne sais pas pourquoi tu bégayes. Donc, tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20K. Et deuxièmement, pour les personnes qui sont déjà déterres, tu as déjà vu plusieurs de mes vidéos, tu me connais déjà, tu as Pirate Marketing. Ok, Pirate Marketing, c'est ma plus grosse formation où je te montre toutes tes stratégies qui te permettraient d'atteindre au minimum les 5K par mois. Au minimum, ok? Et plus tes affinités, c'est à toi de voir après. C'est à toi de c'est au charbon, etc. Ok? Et cette formation est 100% financée, c'est l'information qui t'intéresse. Elle est 100% financée, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description. On va te résumer un petit peu tout ce qu'il y a dans Pirate Marketing, etc. Mais tu as tout ce qu'il faut, gars. Ok, je cherche pas d'excuses, tu as tout ce qu'il faut et tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. L'appel, il est offert pour poser toutes tes questions par rapport au financement, au CPF. On va t'accompagner de A à Z à monter ton dossier et te donner après les accès à Pirate Marketing. Mais détrompe-toi, Toto, une fois que tu auras les accès, l'argent va pas tomber sur ton compte. Ah non, ça fonctionne pas comme ça. Après, il va falloir charbonner, les gars. Hein, c'est pas magique. Ok, et pas d'excuses, les gars. Hein, tu l'attendais, celle-là. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Hein, j'ai grandi au quartier des Pyramides, j'étais salarié, j'étais pompier, j'étais infirmier, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour me rendre compte que mais en fait je suis un boss. Et quand t'es un boss, tonton, tu peux pas avoir de boss. T'as aimé celle-là hein. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment devenir millionnaire de manière sûre, les gars? Là, les gars, déjà, tu peux déjà partager la vidéo à tous tes potes, ok? Parce qu'après avoir vu cette vidéo, tu vas savoir exactement comment faire pour devenir millionnaire de manière sûre. Non, mais là, genre vraiment, vraiment sûr, vraiment là, vraiment, vraiment beaucoup sûr, quoi. Pas 100%, mais en tout cas, franchement, on est pas mal. Et je vais te dire pourquoi. Parce que tous les gens qui veulent devenir millionnaire font la même erreur, gars. Ils font tous la même erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu découvres des vidéos, nan, c'est possible de pouvoir faire du ZEO, nan, tu commences à faire un peu de ZEO, machin, tu dis, ah, maintenant, j'ai fait un peu de ZEO, je veux devenir millionnaire, man. Ok? Boum! Donc, déjà, si tu veux devenir millionnaire, c'est cool. Et tu n'as même pas commencé à te former, à créer ton business, etc. Acheter une formation ou avoir pris Pirate Marketing. Bon, déjà, il y a un problème. Enfin, c'est bien de viser des grands, les gars, mais déjà, commence déjà à faire 100K par an, déjà. Hein? Bon, bref, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, ce qui se passe, c'est que les gars, ils veulent devenir riches. Qu'est-ce que millionnaire? Ils disent, OK, là, il faut que je crée un business. Il faut que je gère 1 million en un an. Il faut que je fasse 1 million en 1 an. Il faut absolument que je fasse 1 million en 1 an. Ok? Ça, c'est le truc que tout le monde se fait carotte au début. Là, ce que je te dis, tonton, je te fais gagner grave du temps. La vérité, tu vas me remercier toute la vie. Si tu mets en place ce que je vais te dire dans cette vidéo, tu vas me remercier toute la vie. Tu diras, ah, c'est grâce à tonton Jojo. Heureusement, Joe était là parce que franchement, j'allais dans une direction là. Ça a été compliqué. Donc, du coup, les gars, à chaque fois, ils se disent, ouais, vas-y, je vais faire 1 million. Je vais faire 1 million en 1 an. Ok, à chaque fois. Et chaque année, ils n'arrivent pas à faire le million. Ils disent, oh, mince, j'ai pas fait le million cette année. Bon, ben, l'année prochaine, cette année, c'est la bonne. Ah, je lance des nouveaux trucs, je mets des nouvelles stratégies, machin. Cette année, le million.
ah, rate, ils ratent encore le million, ils n'arrivent pas à faire le million. Après la troisième année, ah, cette année, je vais faire le million. Là, j'ai un nouveau truc, j'ai un associé, oh là là, le million. Non, ça passe pas. L'année d'après, ah, c'est fini avec l'associé, là, je suis tout seul, je pars sur un nouveau marché, là, le million, j'améliore tout ça dans l'année. Ça marche pas. Donc là, ce qui se passe, c'est que les gars, ils enchaînent boum, boum, année sur année, et il faut pas le million. Il faut jamais le million. Donc finalement, leur compte, en fait, il bouge pas, quoi. Il est toujours vide, en fait. Ok? Parce que chaque année, ils essaient de faire le million. Donc, première erreur que les gars font, c'est déjà de vouloir faire le million en un an. Déjà, pourquoi vouloir faire le million en un an, en fait? Et de quoi on parle exactement, surtout? Parce que c'est ça le premier truc. Parce que quand tu dis, les gars, quand ils disent, ouais, je vais faire un million, ok? De quoi on parle? On parle de un million net, patrimoine net, ça veut dire en bourse, en crypto, en immobilier, net. Ok, immobilier, parce que les gars qui ont un million, mais genre, ils sont endettés, voilà, faut faire la soustraction. Hein. Et, ou un million de chiffre d'affaires. Parce qu'un million d'euros de chiffre d'affaires, les gars, c'est ok, ouais, c'est moi qui a la plus grande, mais au final, qu'est-ce qui te reste sur ton compte? Parce que c'est ça qui compte. Combien il reste sur ton compte? Si tu fais un million et il te reste 20%, ben ça fait 200K. T'es pas millionnaire, t'as 200K. Alors, tu vis bien. Je veux dire, là, on n'est pas à un niveau de se poser la question, est-ce que tu vis bien ou est-ce que tu vis pas bien? Tu es à l'aise, tu te fais bien, tu te fais plaisir. Enfin, je veux dire, pas de problème. Hein. T'as pas besoin d'être millionnaire pour te faire plaisir. Ok, tu fais largement plaisir à 100K par mois, pas 100K par mois, 100K à l'année, enfin, même un petit peu moins. Enfin, je veux dire, c'est ok. Tu vis déjà la vie de rêve, hein, que tu imagines qu'un millionnaire vit. Mais bon, bref, tu veux devenir millionnaire, je suis d'accord avec toi pour le statut, pour le prestige, pour montrer que tu es capable. Bon, bref, quelles que soient les raisons. Bref, du coup, alors, il faut se poser la question, les gars. On veut devenir millionnaire net ou qu'est-ce que tu veux en fait? Patrimoine net ou juste dire, ouais, t'as fait un million en chiffre d'affaires? La vérité, c'est que tu veux être millionnaire de manière avoir un patrimoine net d'un million. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les gars, en fait, ils courent dans la mauvaise direction pour pouvoir essayer de faire un million de chiffre d'affaires alors qu'en fait, t'es même pas millionnaire. T'as fait un chiffre d'affaires d'un million, mais t'es pas millionnaire. Ok? Et de surcroît, ils essaient de le faire tous les ans. Tous les ans, ils essaient de faire un million. D'être millionnaire tous les ans. Donc, tu vois le truc ou pas? En fait, il y a deux trucs qui font que ça peut pas fonctionner, en fait. Et il se trouve que tous les ans, ils repartent à zéro. Donc, voilà ce qu'il faut faire. À mon humble avis. Hein? Déjà, pourquoi vouloir absolument faire le million sur un an? Parce qu'en fait, c'est quoi un million? C'est un cumul d'argent, en fait. Donc pourquoi pas faire le million sur 3 ans? Déjà, ça te soulage, là, ce que je viens de te dire. Pourquoi ne pas faire le million sur 3 ans? Même sur 4 ans, même sur 5 ans. Surtout que j'avais dit qu'un business, à faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est à partir de 5 ans. Ouais. C'est ça que je veux. À partir de 5 ans, il faut, les gars, en 5 ans à 10 ans, ils font des millions et des multimillions. Ok? Mais du chiffre d'affaires. Ok? Mais si tu veux être millionnaire, pourquoi tu ne le fais pas au fur et à mesure, en fait? Sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce que je veux dire par là? Au mieux que chaque année, imagine que tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il te reste 200K. Il te reste 200K. Pourquoi tu vides ton compte? Pourquoi tu vides ton compte à vivre la belle vie? Au lieu de dire, vas-y, bah, je garde 100K et je mets de côté, ok? Je le mets en bourse, pas de côté, tu le mets en bourse, ok? Et tu le fais travailler. Et quand je dis 100K, ben ça veut dire qu'en fait, c'est même pas 100K à l'année, tu passes genre, t'attends un an et puis boum, tu mets. C'est chaque mois, tu mets de l'argent, en fait. Imaginons, tu mets 10K, boum. Chaque mois, boum, tu mets 10K par mois. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ça se cumule, en fait. Donc, au lieu de partir à zéro chaque année, d'essayer de faire le million et puis après, sur ton compte en banque, il reste zéro, en fait, t'as jamais bougé, il serait plus judicieux de se dire, ben, vas-y, je pars sur faire le million sur 5 ans. Mais depuis le début que j'ai commencé à faire de l'argent, eh ben, je mets tous les mois de l'argent en bourse. Ok? Et au moins, tu augmentes, je veux dire, chaque mois qui passe, eh ben, tu te rapproches de l'objectif, même si c'est petit. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu que ça soit un gars, parce que j'en connais plein, ils veulent faire le million chaque année, mais leur compte, il est toujours à zéro au final. Tu vois, ça n'évolue pas. Alors qu'un gars qui a, genre, ça veut dire pendant 5 ans, tous les ans, il essaye d'être millionnaire, le gars qui pendant 5 ans a toujours mis de l'argent en bourse, et en plus, il y a l'effet cumulé qui s'ajoute, etc., eh ben, lui, dans tous les cas, à un moment donné, tu seras millionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en plus de tu fais que tu mets l'argent de côté, en plus, il y a l'effet cumulé des intérêts composés qui jouent en ta faveur. Donc, dans tous les cas, tu vas être millionnaire de manière sûre. Donc, au lieu d'essayer de faire le million sur une seule année, essaie de le faire sur plusieurs années en cumulant de l'argent.
Et après, ce qui va se passer, c'est si jamais tu arrives à faire 1 million net avec ton business en 1 an, ben tant mieux. Tu vois, tant mieux pour toi. Mais en tout cas, en attendant, tous les mois, tu te rapproches de l'objectif. Donc, si jamais tu n'arrives pas à faire 1 million net avec ton business, imaginons dans 5 ans, tu n'as toujours pas fait, par exemple, mais tu sais que tu t'es déjà rapproché parce que tu as mis de l'argent de côté, tu as déjà un business quand même qui te rapporte peut-être 20, 30 cas par mois, etc. Tu peux mettre de l'argent à investir tous les mois et du coup, peut-être dans 5 ans, tu seras peut-être à 400 000 euros. Tu auras déjà fait pratiquement 50% de l'objectif. Et en plus, tu vivras ta vie normalement parce que tu as un business qui te permet de générer du cash. Tu vois, donc évidemment, plus tu vas pouvoir générer du cash, plus tu vas pouvoir investir tous les mois et plus tu vas pouvoir grossir et te rapprocher rapidement de l'objectif. Rien à me dire, ah, mais c'est long, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Gars, ça passe vite. Et tous les gens qui disent, je te le dis, tous les gens qui disent chaque année je vais être millionnaire, ils vivent bien. Mais chaque année ils disent je vais être millionnaire, mais ils sont pas millionnaires. Et ça avance pas en fait. Après, c'est pas grave, ils vivent très bien. Mais si tu veux être millionnaire, soyons malins. Tu vois ce que je veux dire ? Faisons-le sur plusieurs années. Et ce que je viens de te dire là, c'est pas. Alors, j'ai pris l'exemple des 10K. Mais tu peux le faire directement, tu touches 1500 euros. Mais gars, commence déjà à mettre 150 euros par mois. Après, il faut te former en bourse. Donc du coup, j'ai un lien affilié en plus. Donc c'est parfait. Donc tu as le lien affilié, j'avais fait un interview avec Raphaël. Comme ça, il va t'apprendre sur comment investir en bourse. C'est pas bien compliqué. Mais moi, je pense au début, c'est un truc de ouf, la bourse. C'était... En fait, c'est simple en fait. Tu vois pourquoi les gens font comme si c'est un truc de ouf, la bourse, c'est un truc compliqué. Oh, en fait, c'est simple. C'est comme quand tu achètes une crypto, c'est pareil. Bref, donc du coup, tu te formes. Une fois que tu sais ça, gars, ben, tu mets ton argent tous les mois. Tout l'argent, tu mets 150, 200 euros par mois, 300 euros par mois. Il y a des trucs où tu peux voir combien d'argent ça va te rapporter dans 10 ans, etc. Tu dis, tu pars sur 10 ans. Après, ouais, 10 ans, c'est long, mais de toute façon, tu vas faire quoi avec l'argent? Tu vas le dépenser? Donc, tu préfères quoi? Que dans 10 ans, même si c'est long, imaginons que tu atteignes le million. Ou tu préfères dans 10 ans, même si tu n'atteins pas le million, tu fais 500 000 euros, 600 000 euros. Quand même 600 000 euros, les gars! Au lieu de dépenser tes 150 euros tous les mois dans des bêtises, dans des trucs qui ne servent à rien, qui ne vont jamais te rapporter d'argent, je veux dire en tout cas. Et surtout, c'est ce que les riches font en fait. C'est ce que Warren Buffett a fait. Il n'est pas devenu un milliardaire en 1 an. Il n'a pas fait genre, ah ben là, c'est bon, j'ai le bon coup, j'ai le bon truc, boum, cette année, million. Ben non, en fait, ça s'est fait au fur et à mesure en fait. C'est au fur et à mesure, l'effet cumulé. Il a mis, c'est un cumul d'argent sur le temps qui a permis de devenir millionnaire. Et milliardaire maintenant, tu vois. Donc, c'est ça la technique. Donc, en gros, mon point là où je voulais en venir, c'est que tu travailles pas pour générer 1 million, tu travailles pour que tes investissements te rapportent 1 million. Ok, donc tu ne travailles pas dans ton business pour générer 1 million, tu ne travailles pas dans ton travail salarié pour pouvoir générer 1 million, de toute façon, tu ne peux pas. Tu travailles pour que tes investissements, donc pour que tu puisses investir et que tes investissements te rapportent 1 million, et ça se fait sur plusieurs années. Et là, ça a du sens. Okay? Et du coup, quand tu vas créer ton business, ben forcément, ça te permet d'accélérer ta capacité de pouvoir investir. C'est ça l'idée en fait d'avoir le business. Mais pour pouvoir devenir millionnaire, c'est les investissements et sur plusieurs années. Au lieu de partir sur « Ah, j'ai dit, je vais faire avec mon business cette année, je suis 1 million. » Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. L'exemple que vous connaissez tous, c'est Yomi. Bon, ben voilà, c'est bien. Mais c'est un épiphénomène, les gars. Et même lui, il le dit, il y a un facteur chance au bon endroit, au bon moment. Évidemment, il a travaillé dur, il a les compétences, etc. Prenez des choses qui sont imitables. Tu vois? Et là, ce que je viens de te dire, c'est imitable. Même si tu mets que 150 euros par mois, tu commences là, dès maintenant. Tout le monde peut commencer dès aujourd'hui. Tu mets même 100, 200 euros par mois. Mais tu es déjà en train d'avancer sur l'objectif. Dans 5 ans, tu as peut-être 100 000, 200 000, mais si tu ne l'aurais pas fait, tu n'aurais pas eu ça. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, il ne faut pas le mettre de côté parce que tu mets ce côté de côté, à un moment donné, tu vas prendre de l'argent. Et puis, de toute façon, les riches ne mettent pas d'argent de côté. Les riches, leur argent, il est dans des actifs qui rapportent de l'argent. Ça n'a aucun sens de laisser de l'argent en banque avec l'inflation, etc. Tu perds de l'argent. De toute façon, tu le mets en banque, ton banque fait « Ah super, merci, hein, merci d'avoir déposé l'argent. Bon, Gérard, t'envoies ça sur le marché boursier. Hein. » Il faut faire travailler l'argent, les gars. Donc, okay. Donc si tu ne fais pas travailler ton argent, de toute façon, les autres le feront. Ou sinon, tu vas le dépenser. Bon, alors, soyons malins. Ok? Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à partager cette vidéo à un maximum de personnes parce qu'en vérité, tout le monde peut l'atteindre. Après, c'est sûr que si tu ne fais que 150 euros par mois toute ta life, mais j'espère quand même, si tu regardes ce genre de vidéo, c'est qu'à un moment donné, tu vas quand même te lancer en business. Hein. Tu n'es pas obligé de prendre une de mes formations, mais... Prends une formation, fais quelque chose. Le temps joue en ta défaveur en fait.
En fait, il faut que tu fasses de façon à ce que le temps joue en ta faveur. Par exemple, commencer un business, tu sais que tu en as pour 2 à 5 ans. Mais tu as commencé. Voilà, comme ça, le chrono, il a commencé. Boum, tu charbonnes et tu vas y arriver. Pareil pour ce que je t'ai dit, cumuler l'argent pour que après ça atteigne le million. Au lieu de dire chaque année, je vais faire le million. Tu vois, et comme ça, le temps joue en ta faveur. Au lieu de dire, ouais, c'est long, 10 ans, machin. Fais les choses pour que le temps joue en ta faveur. C'est la seule ressource que l'on a. C'est la ressource la plus précieuse que l'on a. On ne peut jamais récupérer les secondes. Autant les faire travailler correctement. Tu vois. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi, tonton. Je suis assez content. Je pense que j'ai aidé pas mal de personnes là. Hein? Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu l'avais pas encore mis. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Qu'est-ce que je vais te dire? Ouais, donc. Tu es libre de pouvoir accéder à ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies qui te permettront d'atteindre au minimum les 5K par mois. Ok, c'est 100% financé. Tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Tu peux prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour poser toutes tes questions par rapport au CPF, comment on fait, est-ce que tu as du CPF, comment ouvrir un dossier, tout ça. Enfin, on t'accompagne de toute façon de A à Z que tu puisses accéder au financement et qu'on puisse te donner les accès à Pirate Marketing. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. C'est ton camp.